À toi de jouer! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle heure du duel. On est un petit peu nombreux cette fois-ci encore. On est sur Cult of the Wind et avec moi, j'ai dans mon équipe bleue que vous allez voir à l'écran, il y a Yakipon et Ores. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci. Ah ouais, quand même. Et en rouge, nous avons Ralga, Trimano et Aspadin. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Salut. Voilà, donc on est donc sur Cult of the Wind. C'est un jeu un petit peu particulier qui est sorti le 1er juillet 2014. C'est de l'indé, c'est multijoueur uniquement, c'est en third person shooter, donc jeu de tir à troisième personne, développé par North of Earth. Un jeu très particulier parce que normalement dans ce genre de jeu où de tir, on va dire ça comme ça, il y a de la capture de drapeau, il y a du tir avec des armes réelles. Sauf que là, on incarne des humanoïdes qui techniquement font l'avion. Et c'est tout ce que j'ai à dire dessus. C'est vraiment très particulier. Et fallait leur laisser découvrir sur cette chose. Et j'ai envie de dire, ben les gars, quand vous êtes prêts, 3, 2, 1, top! YOLO! Je crois que ça va finir en cacahuète, ça, mais. J'ai un avion! Oh, comment t'as fait? J'ai trouvé une boîte mystère, elle m'a dit deviens un avion, j'ai dit oui d'accord. On voit le drapeau, appuyer sur F. Aller chercher le bleu là, quel drapeau. Mais faut le tuer d'abord, non? Non, tu peux lui voler. Je suis pas sûr que t'es bon de le tuer. Enfin, je sais pas, essaye, tu verras. Je sais pas, il est trop loin pour l'instant. Et c'est le point de vie, moi mais... Oui! GG! On recommence! Allez! Ah non, faut tuer, parce que sinon ça marche pas. YOLO! Et quand on a plus de munitions, on fait comment pour tuer? Il faut trouver des petites boîtes mystères. Jake, genre. Désolé, Ralga. Je viens de manger un arbre. Bon appétit. Allez! Allez! Sauvez-moi, j'arrive! Ah non! Ah merde! J'avais oublié. Allez, qu'il viens. Elle est où là-bas? Elle est où là-bas? Pourquoi je suis mort? C'est de l'autre côté, faut que tu le poses par contre le drapeau. Putain, j'ai plus de munitions! T'es où? C'est-à-dire? T'es en face, en gros, faut que tu refasses tout le tour et que t'ailles en face. Bah, tu vois, t'as une petite zone rouge qui est sur ta carte normalement qui s'affiche. Ah ouais, d'accord. T'es là-bas. Donc, faut que t'ailles de l'autre côté de là où allait Yakipon tout à l'heure. Ah, fallait pas sauter par contre. Parce que là, va falloir que tu refasses tout le tour. Yes! C'est tellement pas clair cette interface. On comprend rien à ce jeu. On comprend rien à ce jeu. Ah, on a un point commun, c'est bien. Ah, mais ça lag en plus, c'est horrible! En fait, ça lag pas, c'est juste que c'est mauvais à répondre. C'est un jeu qui est censé être fini d'être développé, mais. Le principe est original, les décors sont sympas, la musique est sympa, mais. Très particulier, aïe, aïe, aïe. Vraiment. Aïe. J'ai plus de balles, tue-le! Non! Yes! Après, faut savoir aussi sur ce jeu qu'il est modable à mort. Hein. On peut le moder vraiment à mort, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Allez, bisous! Moi, je suis mort. Oh la pute! Oui! Je vole! Ah, on va se faire ouvrir. Un idiot. Ah oui, non, mais moi, je suis futé, moi. Oui. On oubliera ce. Ah, mais c'est quoi les trucs à droite? Quel truc à droite? Bah, regarde, t'as 13 et 68. En fait, l'avion c'est ta vie, et 40, enfin moi c'est 46, la petite goutte d'eau c'est ton carburant. Si t'as plus de carburant, tu meurs. Ah. Faut que je pense aux dégâts de chute, ça fait deux fois que je meurs ridicule. Oh non! Je suis mort juste devant! T'as laissé le drapeau? Devant,
En tombant, je suis mort. Vas-y, le rouge, va le chercher. Non. Oh non, le flag a retourné. Putain, chut. Mort. Qui c'est qui a le drapeau chez nous, du coup? Je comprends absolument rien à ce jeu. Et pourquoi on m'avait mis avec Trimaro, quoi? J'essaie désespérément de devenir un avion et ça ne marche pas. Non mais, en fait, l'avion, c'est avec une boîte magique. C'est genre, tu prends un espèce de fanion, là, rose ou violet, et t'auras une icône très bizarre, je saurais pas te dire laquelle c'est, pour devenir un avion. Faut défendre, les bleus, faut défendre! Oh non, j'ai plus de munitions. Oh non, je suis mort devant. Yes. Oh putain, je suis dégoûté. Oh non, sérieux. Oh non. Mais où je suis? Mais où je suis? Ah oui, je peux empêcher le... Ah bah ben voilà. On peut arrêter le jeu rien que comme ça. J'ai pas de munitions. Allez, oui. Oh la vache. Attends, mais il va falloir aller chercher le drapeau en bas maintenant. C'est vraiment un jeu qui prend des risques, je trouve. Prend des risques, il est innovant. C'est... Il va falloir aller chercher le drapeau en bas. Où le drapeau? Il est là-bas au milieu. Il a été pris. Par c'est moi qui l'ai. Me fais shooter comme un lapin. On s'en va à des Ronald McDonald dans ce jeu. Ah, mais j'ai vu un Spadam passer à côté de moi et j'ai cru me voir un McDo. Y'en a un qui court comme un autiste à côté de moi. T'as déjà été à McDo, toi? Ouais, mais pas souvent, mais... Ça se voit. Je me fais tirer avec ma lapin, quoi. Oh! Ah oui, je vois l'icône! Par contre, je sais pas comment on l'active. Tu es là! Ah oui! Oh non! Enfin! Enfin un drapeau! Pourquoi je suis mort? Parce que je t'ai tiré dessus. Un drapeau et je meurs? Parce que t'as touché le sol trop vite, en fait. J'ai eu le temps de le poser avant. J'ai plus d'armes, mais ça c'est un problème, ça. Le fait que tu puisses pas recharger quand tu veux, c'est un souci. Ah, oh, j'ai tué l'équipon. Tu veux un goûter? Pas poser le drapeau. Mais je suis trop fort, c'est ma première victime en 5 heures de jeu. T'as joué 5 heures à ce jeu-là? Putain. Oh merde. Je vais mourir avant. Yes. J'ai plus de munitions. Non plus. Où est le drapeau? Non. Oh non. Où est le drapeau? Je l'avais. Mais il est où? Il faut la ramener dans notre base ou dans la base adverse? La base adverse. Dans la base adverse, faut la mettre. Oh, mais y'a qui pond la chatte. Il te reste combien de HP? Il m'en reste 29. J'ai plus donc de balles. La chatte, je sais pas. Là, je te tapais à 40 à la fin, je suis trop dégueu. Mais 40, c'est les dégâts cumulés que tu lui as fait sur cette série. Ah, d'accord. Non, il faut m'expliquer le jeu, parce que... Ouais, bravo. Bon, en vrai, le système de balle est vraiment... Avion. Le système de balle est vraiment mauvais, hein. Moi, direct, j'aurais dit le système est vraiment mauvais. T'es mort. Putain. En fait, c'est un CSGO, mais en gratuit, ce jeu. Non, mais putain, la comparaison, c'est... quoi, c'est pas flatteur. Hein. Ouais, j'avoue, parce que CSGO, c'est quand même un peu plus développé. Hein. Tu peux dire que c'est un Quake-like, hein, sinon. C'est vrai. Allez, poteau. J'ai envie de dire c'est Barbie Land-like. Hein. Que franchement. Ah putain, tu t'es téléporté, mec. Ouais, mais je te dis, hein, le temps de latence du jeu est vraiment pourri. J'espère hein. Que t'es mort en tombant. Eh mince. Peut-être. J'arrive. Pourquoi je peux pas use mon upgrade? Genre j'ai une flèche vers le haut, mais je sais pas ce que ça fait. Y'a qui? Désolé. Je tryhard un peu. Oh et oh. Chopez-le! Chopez-le koum-koum! Mais il chopez l'oiseau, chopez l'oiseau! Il lance par un coup, je visou. Oh non. Ah, mais le temps de réponse du jeu est horrible, tu peux pas viser un mec, c'est impossible. Mais oui, mais y'en a un, il s'était pris, je sais pas qui c'est, mais... Oui, mais faut le viser à 3 secondes plus tard, aussi il sera, en fait. C'est passé ah, où bordel. J'ai cru que j'allais die avant, hein. Bon, on est à 3-3, mais... Ah non, je suis mort devant le drapeau. Ah, c'est con, ça. Ah, j'ai tué Jake. Tué le mec en bleu, avec le drapeau. YOLO.
C'est la réparation. Oh mais non. Please, je suis mort. Humano allez, dive. Allez, on va poser. Derrière le drapeau. Aïe. Ah, pas la moustache. Oh mec, t'as mis la TP quoi, c'est abusé. J'ai plus de munitions. Oui. J'ai... Mais t'es aux toilettes ou quoi? Hein? YOLO. Oh, tu l'as pas pris. Derrière toi. Merde. Dégâts de chute. Ah merde. J'ai plus de PV. L'avion. Mais pourquoi j'ai pas l'avion? J'ai oublié d'appuyer sur F. Pourquoi on peut pas devenir un avion? Pourquoi ce jeu nous empêche de devenir notre rêve? Ah, j'aime beaucoup les papillons qui se posent pour un bonus. Un avion, hein. Là, c'est logique avec l'univers du jeu. Bon ben... Gagné! Oui! GG! Ah, GG. Quag. GG. Oh putain, cette mort au ralenti est tellement ridicule sur mon écran. Quand tu tombes dans l'herbe, très bien faite l'herbe d'ailleurs. Ah là là, on en fait une voilà autre ou pas pour alors ce petit duel, c'était donc Cult of the Wind qu'on vous conseille ou pas. Très particulier ou pas. Donc, chacun se fera son avis. Voilà, on nous fera d'autres heures du duel sur d'autres jeux. Très bientôt, ça sera à venir. En attendant, suivez Vincent un petit peu partout où est-ce que c'est indiqué dans la description, notamment de la vidéo. Moi, je vous dis ciao et toute l'équipe également. Non. Ciao et à la prochaine. Ciao. Oh.